C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle. Bonjour Bernard Mabi. Bonjour, c'est vous le coup de fourchette? Oh oui, bah vous avez vu l'animal, évidemment c'est moi. Alors avant de commencer, j'ai ramené l'almanach des grosses têtes. Voilà, celui de cette année, voilà, 2022. Je connaissais pas. Ah, vous le connaissez pas? Eh bien écoutez, l'almanach, voilà, ça retrace à peu près des bons extraits de toute l'année qui vient de s'écouler. Et j'ai lu ça au hasard, voilà, je prends une phrase au hasard. Alors attendez que je la retrouve parce qu'évidemment, je l'ai encorné. C'est bon, vous inquiétez pas. Alors que Laurent Ruquier évoque Bette Davis, Bernard Mabi dit « Elle n'était pas Bette Davis ». C'est pas mal, hein. Vous vous souvenez ou pas vous aussi? C'est pas mal. Hein. Donc oui, on peut le dire. Vous êtes friand. Vous êtes friand des. Je suis foulé, oui. Oui. Vous êtes friand des jeux de mots et non pas des friands à la saucisse. Ah, c'est bon les friands à la saucisse. Oui, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, pour les auditeurs qui nous écoutent, on va offrir ce livre tout de suite. La régie appelle le numéro tout de suite. Voilà, s'il vous plaît, la régie appelle le numéro. J'adore faire ça. Ça sonne. C'est la valise. Allô. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Michel. Enchanté Michel, vous êtes sur Radio J. Ah non, là je suis dans mon lit. Un chômeur. Non mais je veux dire, vous êtes au téléphone à Radio J. Ah d'accord, autant pour moi. Pas de soucis Michel, je suis avec Bernard Mabi et on a décidé de vous offrir l'almanach des grosses têtes. Heureux? Ça lui ferait bien aussi. Très bien. Michel a été coupé. On vous envoie ça incessamment sous peu. Bien sûr, Michel. Il n'y a pas de souci. Ça sent un peu l'arnaque, votre truc. Non, pas du tout. Attendez, c'est pas mon genre. C'est le coup de fourchette, hein, vous inquiétez pas. Non, pas du tout. On vous envoie ça. Merci, Michel. Alors, Bernard Mabi, c'est le coup de fourchette. Et quel coup de fourchette, hein. Œuf, tomate, poulet rôti, purée, gâteau. C'est pas un coup de fourchette, c'est une liste des courses chez Auchan. Ça, c'est tout ce que vous aimez. Mais vous avez raison, Bernard Mabi, vous avez raison, manger c'est bon, c'est une fête. D'ailleurs, vos initiales sont les mêmes que le mot bar mitzvah, donc vous êtes un kiffeur. On est pareil, Bernard, on est pareil. Ça vous dérange pas que je vous appelle Bernard? Non, bah très bien. Vous adorez aussi le poisson pané? Ah, hein, j'adore ça. Avec une bonne purée mousseline? Oh, j'adore ça. Ah, c'est ça, quand je fais de la purée mousseline. J'ai mis des années à m'en séparer. Ah, je suis désolé, j'adore cette pub, j'adore la purée mousseline. J'adore ça. Mais c'est fini. Mais le poisson pané, c'est magnifique. J'adore ça. Un petit jet de citron. Complètement. Le fish and chips, j'aime beaucoup aussi. Moi, je suis très fish and chips, mais c'est vrai que la purée, ça me rappelle mon enfance. Ah oui. Et puis alors, le goût du poisson pané, je prends toujours la même marque, donc j'ai toujours le même goût. Je ne sais pas s'il y a du poisson dedans, mais enfin. Ah, vous ne. J'adore ça. C'est ballot. Alors, je regarde bien s'il y a bien assez de poisson pour ma part. Donc, j'ai combien de parts, hein? Oui, moi je suis à 7-8. Ah, ça veut dire. Je joue bas. Ah, c'est vrai? Ah, oui. La boîte. Ah, ben. Mais tout ça c'est fini pour moi aujourd'hui. C'est fini parce que je suis au régime. Je dois faire attention. Je ne suis pas gros, mais je me sens gros. Je fais une fixette sur mon poids. Je parle plus en kilos, je parle en quintal. C'est fini tout ça pour moi. Et pour vous dire à quel point je fais une fixette, si demain on me traite de gros con, ma réponse, ça va être pourquoi gros? On n'est pas obligé. Et on m'a conseillé de porter du noir parce que ça m'incite. Voilà, je suis au max du noir. Même le noir, il ne peut plus rien faire au bout d'un moment. Donc, c'est pas grave. Hein. Et évidemment, j'ai été voir une nutritionniste. Elle m'a dit de manger des légumes. Et j'aime pas ça. Alors, je fais beaucoup de soupe. Énormément de soupe. Et en fait, je ne sais pas vraiment si je maigris ou si je suis un gros plein de soupe. Voilà. Petite blague, je sais. Rigolade. Une blague ou deux. Oui, cette blague aurait pu être dans l'almanach des grosses têtes. Oui. Alors, on m'a dit que vous aimiez beaucoup chiner. Alors moi au début je pensais que c'était la brocante. Et puis vous vous êtes marié 3 fois à ce titre là on peut dire que vous avez fait pas mal. La première maintenant c'est de la brocante. Ah d'accord, ok. Ah, bah, j'allais dire, vous avez fait pas mal de. Vous avez dû trouver la perle rare, mais aussi des belles occasions. Arrêtez. Mais il y a de quoi faire des bons repas de famille avec de la purée mousseline. Quand je fais de la purée. Désolé, j'adore cette pub, je suis désolé. C'est la rechute. Oui, je suis désolé. C'était pas Gottenheimer qui avait fait ça, je sais pas. On va lui poser la question puisqu'il sera bientôt notre invité. J'adore Gottenheimer. C'est la grande époque de Gottenheimer. Ça pourrait être lui. Ça peut. Et je vais bien le féliciter. Alors Bernard Mabi, je ne peux pas vous quitter sans parler de votre spectacle qui s'intitule Miraculé.
avec une position où on dirait on va vous mettre dans un sarcophage. J'espère c'est un peu que ça, je vais rejoindre Brigitte Macron. Ah. J'espère que ce spectacle aura tout le succès qu'il mérite et qu'on se reverra pour que vous puissiez me tailler un costard, car je veux que Bernard m'habille. Bravo, merci cher beaucoup, Jordi, Bernard merci Mabille. Beaucoup. Bravo. On vous retrouve bien sûr sur votre bravo. Compte Instagram jordi.journaux, J-O-U-R-N-O. Vous n'êtes pas le chanteur. Et c'est né de là. Exactement, ça, voilà, c'est à cause de lui, ou grâce, je ne sais pas encore. Oui, oui. Grâce. Merci beaucoup Jordi, on se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Et bien à la semaine prochaine.